Le chef du gouvernement espagnol, le conservateur Mariano Rajoy, a défendu au Parlement la loi permettant l'abdication du roi Juan Carlos et le passage de témoin à son fils Felipe. La loi est votée aujourd'hui avec l'assurance de recueillir un très large soutien des députés, y compris dans l'opposition socialiste. Les quelques voix dissonantes proviennent des petits partis de gauche comme Izquierda Unida ou des partis régionaux comme les indépendantistes catalans qui réclament un référendum sur l'avenir de la monarchie. Le futur roi Felipe VI doit prêter serment devant le Parlement le 19 juin prochain. Les scandales qui ont entaché la fin de règne de Juan Carlos et les affaires de corruption visant les partis politiques ont poussé les Espagnols à douter de leurs institutions. Toutefois, selon un récent sondage, seule une minorité d'entre eux souhaite la fin de la monarchie.